Hey, yo les crozes! Salut tout le monde! Bon, j'ai mis les petites lunettes parce que ce soir on va jouer à un jeu de. D'investigation. Inspecteur Toshi sort ses lunettes ce soir. Donc ce soir on se retrouve sur Observer pour une nouvelle aventure. Pas vraiment horrifique. Et bienvenue Miss Inconnue 2017. Une Miss bien de mystère. Donc, une aventure donc moitié horreur, moitié investigation, comment je pourrais dire ça? Enquête, c'est le mot, je pense. On est dans un univers, les Crozes, complètement futuriste, un peu à la steampunk. C'est les développeurs de Layers of Fear, les mecs qui ont fait ce jeu, donc c'est pas n'importe qui. J'espère que le live ne va pas bugger parce que je me suis acheté un nouveau PC tout neuf là, il y a même pas une semaine. J'ai dû tout reparamétrer, c'est un bordel. J'espère que ça va aller. Et puis voilà. Donc oui, vous attendez pas à des jumpscares et à des screamers toutes les 5 minutes, c'est pas du tout un jeu basé là-dessus. On va être dans une ambiance vraiment pesante. Vous allez voir, c'est une ambiance très particulière. Et puis voilà. Et puis on va essayer de résoudre un meurtre, tout simplement. Voilà les Crozes, voilà ce qu'est Observer. J'espère que ça va être cool, je connais pas vraiment ce jeu, hein. J'en ai vite fait entendu parler. Je voulais le faire avec vous, soit je vais accrocher, soit je vais pas accrocher, je sais pas. Bref, c'est parti. Ouais, c'est le jeu avec les peintres, Layers of Fear, ouais. C'est les mecs qui ont fait ce jeu, donc. Alors, est-ce que c'est bon? Allez, let's go. Cracow, on se trouve à Cracow. Wozarski, you there? Come in, Lazarski. Wow. Lazarski, you there? Ouais, je suis là. Bouton gauche. Yeah, I'm here. You okay there? I've been hailing you for the past 5 minutes. I'm fine. I must have dozed off. No rest for the wicked. How's the dream eater treating you? Well, I'm not a vegetable yet. Could have fooled me. Hidey-har. I'm serious, Dan. Your signal's all over the place. Have you taken your meds? Est-ce que j'ai mes médicaments? Pas encore, bien sûr. Pas d'inquiétude. Tout va bien, ok? J'ai mes médicaments. I will. Tout va bien. In a moment. Do it now. I need you in good shape. Vous arrivez à lire les sous-titres, les Crozes? Y'a pas de soucis, vous me le dites, hein. Enfin, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour régler ce problème, mais... Appuyez sur le bouton du milieu pour vérifier votre statut et utiliser de la synchrosine. Synchrosine moi. Ah, ça doit être ça du coup. Okay. On est vraiment dans une ambiance futuriste. Hein. There you go. Looking better already. Yeah. Wouldn't want me to mess up. Can you see the headlines? Another leech goes berserk. Don't be like that. It's just... Yeah. Du boulot pour moi, j'ai pas besoin d'une babysitter. What's this about? Just checking in or you need me downtown? Nah, just a checkup. No one left for you to interrogate. Sounds pretty bad. Yep, not pretty. The explosion leveled half a block. The place is still on fire. Corporate goons all over the place, securing the area. Covering your tracks, you mean? Hola. Hola! Careful what you say. This is a monitor channel. On m'a piraté! Who is this? How'd you get this frequency? Don't you recognize me? Adam? Yes. Well, what's left of me? Oh, Dad. C'est notre fils. What happened? Where have you been all this time? Away from you,
funny. I thought it would be easier to hear your voice after all these years. But it really isn't. Come on, Adam, don't start. I really thought I could pull it off, you know? I was so close to making a difference, to setting us all free. And now it's... can't be for nothing. Doesn't matter. Tell me where you are, I'll come and get you. Shit. Dad, for once in your life, just listen to me. Whatever happened, I need you to remember, you're not in control. Adam, can you hear me? You still there? Adam. God damn it. Dad? Dad? Matriarch, display caller ID. Displaying now. Kavinsky? That's no. Matriarch, locate source of last call. Triangulating coordinates. Come on. Location established. Tenement building. Class C district. Jesus. Adam, the stacks. You just had to hit bottom, huh? Rock fucking bottom. Uh-huh. Salut Bexel. Et bienvenue Flashou Mono. Bienvenue. Putain, on dirait un film là. Eh, on dirait un film. Je suis au cinéma, les Creuses. Excellent. Putain, il est bien glauque le générique là. Bah écoutez, bon, on verra bien les Creuses, on verra bien. Ça a l'air pas mal, hein. Yes! Je le sens bien ce jeu. Ça sent le 10 sur 10. Ça sent le zéro mort. Ça sent plein de bonnes choses. Krakow. On est toujours à Krakow. Très bien. Donc on va essayer d'aller retrouver. Oh putain la vache. Waouh! Waouh! Salut! Salut toi! Bonjour monsieur, c'est votre robot. Il a été conçu pour faire le ménage, c'est ça? Sympa. Bon. Faut sortir de là. Easy there, Tin Man. I'm not looking for trouble. Oh, tenant. Locataire. On va dire oui. On va dire oui. On va essayer de s'infiltrer dans cet immeuble pour retrouver donc notre fils. Donc on va dire oui. Sort of. Name. C'est Grabinski, je crois. Grabinski. Leon Grabinski. Tenant. Oh. Apartment. On l'a. On l'a, on l'a, on l'a. Ground floor. On l'a. Through the courtyard. Turn right, turn left. Straight ahead, turn right. Yeah, I got it. Backwards and forwards. Thanks. Door open. Door open. Parfait, bon, on y va. Oh la vache. Attention, des Creuses. Curfew is now in effect in all Class C districts. Remain in your apartments and enjoy your chosen holographic content. Thank you for your cooperation. Oh la vache.
Putain, il y a une ambiance. Wow. Ok, ici c'est fermé, donc on va aller là. Hello. Ok, bon. Tiens, il y a un trou dans le mur là. Ça a l'air pas mal. Ah, ici c'est ouvert. Donc en fait, tout ça c'est des appartements. Toutes les portes qu'on voit là, c'est des gens qui y vivent tout simplement. Comme un appartement basique quoi. Ok, on rentre. Appuyez sur contrôle pour vous accroupir. Ok. Ils sont là, ils sont revenus, ok. C'est quoi, c'est... Il y a des bruits de pas ou je rêve là? Ok. Putain, il y a un corps là. Il y a un mort, il va se réveiller lui. Oh non! Oh putain, c'est notre fils? Oh my god. Nazarsky, ID 656210. Can anyone hear me? Great. Fucking great. Okay, Dan. Maybe it's not him. Doesn't have to be. Operational efficiency restored. Ah oui, bah oui, il a plus de tête. Ah bah oui, on peut pas le reconnaître forcément. Nazarsky 656210. Setting up a crime scene. J'installe une scène de crime. Appuyez sur E pour activer la vision électromagnétique. I need to check the victim's compass for connections. Maintenez le bouton droit pour analyser le combat de le compas de la victime. D'accord. 6 million volts wasn't enough. 6 millions de volts, bâton étourdissant. D'accord, donc on a un système comme ça de... Ah putain, c'est sympa ça. On a un système donc de... Ouais. Ah cool, donc on peut tout analyser comme ça. HN. Un plan compas. Appareil de communication grand public. Modification. Ok. Victim is equipped with an ID mixer. La victime est équipée d'un brouilleur d'idées. Identification impossible. Damn it. Ah le bâtard, il avait un mixeur d'identité. On peut pas le... Appuyez sur Q pour activer la biovision. Oh oh! Des griffures. Erratic cutting pattern, indicating the killer was in a frenzy. C'est une bête? Il y a des griffures sur le torse et le bras. Lacération. Très bien. Ah, on peut bouger. Ok. Ok. Donc on a deux visions. Donc on a une vision pour voir les blessures avec le sang machin. Et une autre pour analyser donc les objets. Homo sapiens. Ok. Ok. Ça a l'air vraiment sympa. Hein. Putain, en fait, ça a l'air tellement original. C'est le genre de jeu qui ressemble à aucun autre, quoi. Vraiment. Alors. Hop. Du coup, je vais en profiter à mort de ce truc. Hein. Ok. Controlled substance 45F. Better known as feed. You've never touched this. Tu toucherais jamais cette merde. Ok. Bon. Bah écoutez, Cross, ça m'a l'air pas mal pour le moment. Bingo. Oh, un code. Ok, va falloir trouver un code. Très bien. Lol. Printed on real paper. A little archaic for you, Adam. Ah, on a une date, 1984. Est-ce que ce serait pas le code de la porte là? Oh putain, ça sent le code. 1984. Attendez, si c'est ça, on est des génies. Hein. Alors, 1984. Ha ha ha! Yes!
putain. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh la vache. C'est tellement stylé. Un Predator. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Écoute, je sais que t'es occupé, mais on doit parler maintenant. Je crois qu'ils sont sur mes traces. Pour de vrai, cette fois, je suis quasi sûr que quelqu'un m'a suivi jusqu'à chez moi hier. Et aujourd'hui, j'ai vu un type louche par la fenêtre, planté comme un piqué. Si tu peux pas garantir ma sécurité, alors compte pas sur moi, j'ai déjà assez de problèmes. HN. Ok, donc c'est une personne qui s'adressait directement à Adam, donc notre fils. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu une attaque terroriste. Une gigantesque explosion qui a ravagé le paisible quartier des affaires du centre-ville de Cracovie. L'épicentre de l'explosion serait le centre de recherche-développement de Chiron, d'accord. Donc il y a eu une big explosion, ok. Ouvrir le portail, c'est ça que je voulais. Yes, nickel. On va pouvoir sortir les creuses. On va pouvoir sortir. Ah, on a aussi une lampe torche, putain, cool. Hello. C'est quoi ça? Je prends. Ah, c'est notre médoc. C'est vrai qu'on a des médicaments à prendre. Ok, donc ici on a notre espèce d'inventaire, donc avec nos objectifs. Historique de dossier. Alors. Affaire à la recherche d'Adam. Ok. Très bien. Bon, on va sortir les crosses, on va sortir tranquillement. Oh là, il y a l'alerte dehors. Right. Oh là. Oh là là là. Qu'est-ce qui se passe? C'est fermé. Qu'est-ce qui se passe? Hey, you there. Ouais. Come here, quick. Ouais, je suis là. What is it? What's up with the lockdown? Is it the phage? Was there an outbreak? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Too early to tell. I'm looking into it right now. Looking into it? Are you out of your mind? We might all be infected. You don't know that. Best thing we can do is stay calm and... And let them come and slaughter us? I won't let them take me. I won't. Je ne laisserai pas me prendre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah, l'alarme est passée. Oh, des petits oiseaux. Ok, l'alarme est passée, tout va bien. Je peux pas rentrer chez toi, mec. Ok. Est-ce que les chiottes sont ouvertes? Oh, les chiottes sont ouvertes. On y va. Ah, c'est des petits chiottes. D'habitude, on a plus grand que ça dans les jeux d'horreur. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Attention! J'analyse la pièce. Inspecteur Toshi rapport. Ok, donc on peut parler à tous les résidents, ça veut dire. KPD, I need to ah ouais, c'est ça. C'est get ça away from me, man. I got a piece on me, and I ain't afraid to use it. No, you don't. Now calm down. I'm just looking for some answers. Oh, I know how you get your answers. I got nothing to tell you. J'ai rien à vous dire. Bah, putain, c'était très court. Hein. Et toi? T'as rien à me dire non plus, espèce d'enfoiré. Ok. Bon, on va retourner voir le concierge, les crosses, tranquillement. On sait pas trop ce qui se passe dans ce bâtiment. C'est marrant, ça ressemble pas du tout à Layers of Fear, mais on sent que c'est les mêmes développeurs. Il y a un truc. Encore un code. Appuyez sur le bouton du milieu pour pirater. On peut pirater. Ah, on n'a pas besoin de trouver du coup. On n'a pas besoin de trouver les codes. Ça, c'est bien. 0, 4, 4, 6. J'aurais trouvé. J'aurais trouvé du premier coup. Allez, ouvre-moi cette porte. Oh là. Il y en avait un qui avait pas envie de causer là.
Il y a une ambiance. Putain la vache. Wow. Wow. Janet left the door open. Le concierge, j'ai laissé la porte. Ah! On est revenu au point de départ là où il y avait le concierge. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on a ici? Nanophage and eye. Très bien. Ah! Two agents. Helena Novak, apartment 104. And Hannah Nader, 104 et 106. Retenez les crozes. Both on the same floor. Ok. Je commence à comprendre. Je commence vraiment à comprendre. Je vous explique. Dans le PC de Adam, ou Adam, notre fils, on a lu donc une lettre qui venait de NH, ou HN, je sais plus. Et dans tout l'immeuble, il y a deux personnes qui correspondent à NH. Donc il va falloir aller fouiller deux appartements. Pour comprendre ce qui se passe. Let's go. J'ai compris. On peut y aller. Ah out. You again. Oh putain. Not a good idea to sneak up on me, you know. Need to get out. Oh merde. Je me suis trompé de direction. Ouais, on va y aller tranquillou, hein. Yeah. I must have taken a wrong turn. These hallways all look the same. Hallway. Public. Office. Authorized personnel only. Hein? Uh-huh. Police business. I know what I'm doing. I know what you are. Oh yeah? Back during war. Took one alive. Sent for one. No few. To get into his head. Je ne suis pas une menace pour toi. If you're worried I'm gonna snap, don't be. They don't even let us carry guns anymore. Not worried. Past worry. Past most things. Mm-hmm. You fought in the big one. Is that why you got all this junk in you? Plasma sweep. Hit our convoy. Ah, c'est pas un robot en fait. Barreled through armor. Sorry, I didn't mean to bring back memories. Yes. Memories. Bon, on va parler de Adam. What c'est le plus important. Tell me about the tenant in apartment 7. Tenant. Yeah, tenant. How long has he been living there? Yeah. Bienvenue à Plosia. Maybe longer. Not good with time. You ever talked to him? Didn't get out much. None of them do. All right, tin man. Let me know if it comes back to you. L'état d'urgence. Something triggered the lockdown. Trying to get it open. Rudy and I. Oh, ils sont plusieurs. Might be the nanophage. You had any recent outbreaks? Oh non, no. Non, non, me dis pas ça. Last one. Long time ago. Attendez. Down attendez. The river. Old the implants. Oh putain. Bad the implants. Faut que j'aille vérifier un truc. Can we lift the lockdown from the inside somehow? We're getting oh putain, out. C'est ça. Keep people in. Attendez, attendez, attendez. Isolate, accommodate, alleviate. Oh non. Yeah, we all know how that last one used to work. I take it Rudy's the robot. L'homme de ménage. Function service and maintenance. Drone. Faut pas le perdre. Lose it. Ok. What? Wanders off. Sometimes. Need to track. Ok, faut que j'aille vérifier un truc absolument. Ok, il faut que j'y aille. Right.
I'm heading out. Can you give me full access to the building? Assistance. Unstable. Oh putain. Je viens de comprendre un truc. Unlocked. What I could. Thanks. You better stay here. There might be some very nasty people out there. Ouais. Nasty. Ouais, c'est ce qui attend. Là, ça sent la merde, clairement. Bad. Look, just stay safe. You know what? I never got your name. I'm Dan. I'm Dan. I'm Dan. Janus. Yes. Like a Roman god. You know. Sorry I gave you a hard time earlier. Good to meet you. Oh là 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 là. Ok, faut que j'aille vérifier un truc tout de suite. Vite. Ça sent la merde. Et voilà. Je m'en doutais, on est enfermé. On est enfermé. On est enfermé dans ce putain de bâtiment. On est en quarantaine. On est en putain de quarantaine ex-robot là. Et Rudy, c'est Rudy hein, je crois. C'est ça. On est tous les trois. Avec tout. Les habitants de l'immeuble, sachant que dans ces... parmi ces habitants, il y a des gros malades. Et on est enfermé dans le même bâtiment qu'eux, c'est ça. Oh putain, c'est excellent. Ça me fait énormément penser à Rec, le film Rec. Pour ceux qui ont vu un film d'horreur espagnol où, où les mecs en fait se font enfermer dans leur propre appartement, dans leur propre bâtiment. Ok, on est séquestré donc les Cruz. Nous sommes séquestrés! On peut plus sortir. Bon, ce qu'on va faire, on va réfléchir. On va checker notre main. Je suis sûr que l'humanoïde et Rudy vont nous faire un coup bâtard. Rec, je les ai tous vus, j'adore. Ouais, ouais, ça fait penser à Rec un peu. Ok. Alors. Réfléchissons les Cruz. Réfléchissons. On est toujours sur une seule affaire, donc à la recherche d'Adam pour le moment. Fouiller l'appartement 106 et le 104, ok. Donc pour essayer de trouver HN ou NH là, il faut qu'on trouve qui c'est, qui a écrit à notre petit enfant. Let's go. Ok, 106, 104, on y va. Et on fait gaffe. Bon bah je reviens à l'humanoïde. Oh putain, excellent, on peut carrément voir à l'intérieur. Voie respiratoire synthétique. Oh putain, le mec. Pas de blessure apparente. Très bien. On y va. On se casse de là. On se casse. Ok. On monte. Donc le concierge nous a laissé un accès à tout le bâtiment. Enfin presque, parce que le système, donc avec l'état d'urgence, le système a planté. Et du coup, il y a des portes qui restent fermées malgré tout. 105, 114. Attends, c'était 104. 104 ici. On va commencer par le 104. Hey! You! I can hear you out there! Help me, please! Attends, j'ai pas le temps pour toi. Je dois fouiller la 104, mon gars. Ah, encore des chiottes ici. Oula! Salut, toi! Mathéus! Je te prends avec moi, Mathéus. T'as une bonne tête. Appartement 4, c'est là, 104. On y va. On y va. Anyone here? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Analyse. Carte d'identité. Elena Nowak. Ok. Je vais la prendre. Oh la gueule! Low level clearance, but still valid. Oh la tête, en fait on dirait qu'ils ont des espèces de tatouages ou de piercings, je sais pas, ils ont des trucs sur la tête. On aura peut-être tout ça dans le futur les Cruz. Hein. Donc Elena Nowak, très bien, donc elle est pas là. Elle est pas là, elle nous a rien laissé on dirait. Mm-hmm. Non. On a que dalle, bon très bien. Ah, attendez, il y a une porte ici, oh putain je suis con. Oh, elle avait caché son appart. Oh putain la vache. Oh merde, encore un mort. En deux appartements, deux morts. Ça c'est bien ça. Oh putain, il y a les boyaux qui ressortent et tout. Bah.
Oh, il est encore vivant. Salut. Mauvaise soirée, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bon, je note, hein. Je note. Listen to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this if you help me find him. Don't try to talk. There's another way. Qu'est-ce qu'il fait? E pour activer la vision électromagnétique. What? Oh, il a une puce. Attendez. Agression, vol, possession de stupéfiants. Ah ouais, t'es pas un gentil, toi. Hein. Date de naissance, 19 mai 2052. On est vraiment dans le futur. Hein. Commencing neural interrogation. On rentre dans sa tête. On rentre dans sa tête. Parce que j'ai oublié de vous dire, les Crows, que on incarne donc un inspecteur, mais c'est un inspecteur un peu particulier, parce qu'on les appelle les observeurs, d'où le titre du jeu, et on rentre en fait carrément dans la tête des gens, donc ce qui vient de se passer là. Ça, j'ai oublié de vous le dire, c'est très... Wow! Wow! Hey baby, I'm home! Baby! Baby, baby! Donc c'est appartement 104, hein. Donc là, on voit en fait ce qui va se passer, enfin ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'elle est là? Elle prend sa douche. Elle prend sa putain de douche. Ouais, c'est moi, ouais. Me tue pas, s'il te plaît. Wow. Calm down. Il y avait pas une porte ici, là? Oh oh oh. What the fuck? What the fuck? Ok. Hello? Cuisine, il y a du sang. Ouh. Ah! Bah alors! Il y a un croc qui s'est perdu là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est de la bonne, hein. Waouh. Ok, on est toujours donc le mec dans la tête, hein. On continue. Ok. Et c'est que le début du jeu, les Crows. Je vous laisse imaginer la suite, hein. Oh putain, c'est Heisenberg. Heisenberg, on l'a retrouvé. Il est électricien, ok, je te prends. C'est pas mal du tout. Hein. Yeah, thanks. Est-ce qu'on... Oh putain. Est-ce qu'on serait pas dealer de drogue? Est-ce qu'on serait pas dealer de drogue? Je crois qu'en fait, là, on vient de... Bah, de donner de la cam à un mec, tout simplement. Putain, la vache. Je sais pas où je vais. Je continue, je sais pas trop où je vais. On va donner la... What the fuck, man? I told you, voilà, c'est ça. C'est ça. On vend de la drogue. On a un putain de vendeur de drogue. Wouh.
Oh, désolé. Désolé. C'est marrant, l'eau se coupe dès qu'on s'approche de la source. Regardez. Ça, c'est marrant. Il doit y avoir un truc avec l'eau. Podczas procesu suszenia rośliny następuje częściowa recenizacja hiosfiaminy. Suszony surowiec zawiera zmienne ilości antropiny. Halucynogenne i trujące działanie surowca, obecność alkaloidów troponowych, mechanizm ich działania polega na blokowaniu niektórych zefet do układu przywspółczulnej lęki. Ferme ta gueule, je te referme. Oh putain, t'es chiant. Oh putain, t'es chiant. What the fuck, c'est quoi ce bruit? Vous entendez les bruits de pas qui se rapprochent là? Wow. Ah! Wow. Putain, il est creuse. Ah! Oh, c'est quoi? Oh putain, il y a une ombre! Il y a un truc! C'est quoi ça? Oh putain, c'était quoi ce truc? C'était quoi ce truc de merde? Oh putain. Vous l'avez vu, les creuses? Est-ce que vous l'avez vu? Je l'ai vu, moi. Moi, je l'ai vu. Et c'était pas tout ronron. This fucking slop again. Encore cette merde. Cold soup. I dig in, it's not getting any better. Oh putain, le revoilà. Ah non, hein. Je peux pas bouger. Je me débat. Honnêtement, je crois que je suis amoureux de ce jeu, les potes. En fait, je suis admiratif du travail fourni. Je trouve ça vraiment impressionnant, ce qu'ils ont fait, là. Alors, déjà que ça a le mérite d'être original, mais en plus, quand c'est bien fait. N'est-ce pas, mon pote? Hein, que c'est bien fait. Toi aussi t'aimes ce jeu. Salut les gars. Donc on dirait qu'on a fini en prison. Donc on a été chopé tout simplement. Les chiens qu'on entendait derrière nous, c'est parce que on dealait de la drogue. Et puis forcément, un jour ou l'autre, on se fait choper et on finit en tôle. Voilà ce qui arrive. Move it along. Ok. Salut. Oh. Ok, on est... On est en tôle. On va suivre le gardien. SCPE Remake. Yo, Shark. Shark. Ok, donc je dois suivre lui. Je dois suivre le gros monsieur. Oh là. Ok. Y'a quelqu'un derrière moi, ouais. Ah, ils sont deux, hein.
Putain, mais c'est tellement bien foutu, sérieux. Et bienvenue, Chartre. Bienvenue, bienvenue. On est en train de se voir en fait, en train de se faire battre par les flics. Donc en fait le mec pète un cap parce qu'il est dans sa cellule. Il en peut plus. J'ai besoin d'une dose. Ah, t'en avais pas encore assez. Donne-la moi maintenant, mais putain. Fuck yes. Finally. Ok, donc il veut vraiment partir en fait, il veut essayer de buter des gardiens, j'imagine. Ou alors on lui a donné sa dose. Ouais, c'est ça. Perdu. Amir, do you remember the night we met? It's hard to forget. Woo! Woo! Hey ladies. See right through you. I saw that underneath all your muscles and tattoos, you were like a big wounded animal, lost, alone. Hey, at least you knew what you were getting into. Yeah, I guess I did. Non, non, je suis en train de tomber. Jack. À Tattoo Shop. Ah, je crois qu'il y avait un tatou. Je crois qu'il y avait un Tattoo Shop dans le bâtiment là au tout début. Yes. Je m'en souviens. Vous avez vu l'enseigne. Alors du coup, on a été voir le tatoueur. C'est bien, on enquête. On enquête dans la tête des gens. C'est énorme. Forsaking all others. To have and to hold from this day forward until death do us part. Any regrets? Wow, ok les crows. Ok. Bon, on est toujours dans la tête du mec. On va faire une petite pause. Il est 22h13. J'ai très chaud. On va faire une petite pause. En tout cas, moi, personnellement, j'adore, mais un truc de dingue, ce observeur là. À toutes. Ça va sûrement encore une fois partir en couille, donc préparez-vous. Let's go. Ok, la fameuse porte qui se ferme, ça on connaît. Oh putain, c'est calme d'un coup. Des douches. Hello ?
Derrière moi. Non? C'est bon? Attends. Oh là 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 là, faut que je continue à tourner, c'est ça? Ah putain, c'est mal tourné. Il y a un truc avec l'eau. Il y a clairement un truc avec l'eau. Il y a un truc avec l'eau. Qu'il y a un truc avec l'eau. On a fini dans la cuvette des chiottes ou dans une douche, je sais pas, mais on a. Il se passe quelque chose là. Ah, nous revoilà donc dans la partie, dans l'appartement 104, je le reconnais. C'est ici. Putain, c'est mal foutu à la souris. Oh putain. Des signes. Ah c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Bienvenue Mino. C'est ça. On a noyé sa femme. Est-ce qu'on l'a noyé? Attendez, putain. C'est incroyable. Back in the reality. Nous revoilà. Ah, il nous faut nos médocs là. Il nous faut nos médocs. Interrogation aborted. Subject expired during questioning. Emergency extraction procedure successful. Ah, il est mort pendant l'interrogatoire. Tu m'étonnes. Le mec, il avait ses boyaux qui sortaient de son bide. Ok. On va se soigner. Il nous faut nos médocs. Il nous faut nos médocs rapidement. Ah, ça va mieux. Ok, donc bah, j'imagine que on a donc noyé sa femme. Mais on sait pas pourquoi lui est mort. Well, you got your last fix. Hope it was worth it. Okay. Sûrement un outil pour je sais pas pour faire sa drogue. Très bien. On va fouiller un petit peu l'appart. Well, well. You must be Helen. What else are we hiding in here? Ok, donc il y a encore un truc qui se cache ici. Ah, on va analyser la victime. Putain, je suis con, je l'ai même pas fait. Lousy ink. Des tatouages craignos. Sûrement fait en prison. Inhalateur médical. Du sang. Ah, ça serait le même tueur du coup. Ah ah. Synchrosine, ça je prends. Synchrosine collected. Substance réglementée 31A. Hein? Morphine. Some under the counter painkillers. The numbers on the might be two years clients. 209, 112. On a deux nouveaux appartements, allez voir les creuses. 209 et 112, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Ok, bah on va aller check les appartements du coup. 112 et 209. Let's go. Leaving the crime scene. Pursuing the lead. Victim's wife could still be in the building.
Maybe the neighbors know something. Ah, les voisins savent peut-être quelque chose. KPD, I'd like to have a word. It's about time you showed up. What the hell is going on? Why are we under lockdown? Most likely a malfunction. I'm still looking into it. Well, you ain't looking in the right places. Because I don't know nothing. Noticed anything suspicious or unusual? Other than the lockdown, I mean. Well, the couple from 104 were making an awful lot of noise a while back. More than usual, I mean. The girl ran off, and then it got quiet. Did you see where she ran off to? I ain't one to snoop. But, judging by the footsteps, elle court. She ran down to the courtyard. On a une piste, les Crozes. Anything else you can tell me about them? What? The couple? Don't know them that well. The girl seems nice enough. Not sure about the guy, though. What about the girl? Oh, she's a trooper. Works double shifts at Chiron to support. Any idea what she might. Can't be too important, or she wouldn't be living in this shithole. Explains the. What do you mean by that? Worn out, fidgety, jumping at shit. Uh-huh. Okay. Does this kind of stuff happen often? You ever see a husband get. Nah, he ain't a wife beater or anything like that. Est-ce que je peux partir en mode je m'en bats les couilles de l'homme? Non? Est-ce que je suis obligé de. Ouais, je suis obligé. Amir? I think. Oui, ça je sais. Well, other than some asshole. Emma? Yeah, I could swear I heard something growling. Oh! In the hallway earlier. I informed the janitor, but. Thanks. Ok. Alors on sait maintenant les Crozes. Qu'il y a un animal qui grogne dans les couloirs. Et je pense l'avoir déjà entendu peut-être une ou deux fois depuis le début du jeu. On sait pas vraiment ce que c'est, mais il y a quelque chose qui rôde dans ce bâtiment. Yo! I can hear you out there. Help me, please. Attends, t'es qui toi? What's wrong, sir? Ah non, c'est lui. Oh, I heard this awful noise. Qu'est-ce qui What's se passe? Going on? There's been a lockdown. A lockdown? No. Oh God, please, not today. Well, what's so special about today? I was scheduled to undergo a medical procedure. Okay. Vous avez vu quelque chose de suspect? Sir, I'm wondering if you've seen anything suspicious lately. I haven't seen anything in over 40 years. Ah, that's your condition. I. Fine, I won't waste your time then. Wait, I did hear something. Quiet footsteps. Oh la 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 la. Heavy breathing. Angry. Elle chassait. Not hiding. Hunting. Hmm. The smell. It seemed odd. Your child? Yes, my family lived outside the city with all manner of creatures. When it oh la 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 la. The smell would be similar. J'adore, putain, il y a du mystère qui se rajoute. Il y aurait une putain de grosse bestiole dans ce putain de bâtiment, les Crozes. Le mec vivait avec des créatures. Et genre, tu sais, comme les chiens, quand ça a le poil mouillé, ça a une odeur vraiment dégueulasse. Et ben, c'est ce qu'il a senti. Il a senti le chien mouillé, en gros. Donc il y a quelque chose, les Crozes, il y a quelque chose. On va aller à la cour. Ah là, le tatoueur, c'est là. On va aller voir le tatou. Hello ? Oh putain, des mannequins. Des mannequins ! Je prends la caisse et je me tire. What the fuck? My timing is really off today. C'est Elena. Poor Helena. C'est Elena. Lazarski, 656210. We have a third victim. Time of death, about an hour ago. Starting forensic analysis. Ok, on a retrouvé Elena.
elle est morte chez le tatoueur. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans sa tête, elle aussi? Des voisins de comportement étrange, ils sont tous étranges ici, Toshi, ils sont tous fous. Il faut partir au plus vite, il faut nous sauver. Ben, j'aimerais bien partir, mais je ne peux pas. On est en quarantaine. Nous avons de très mauvais souvenirs avec les mannequins, n'est-ce pas? C'est clair. C'est clair. Machine à tatouer. Ok, je m'en balèque. Je m'en balèque. Je veux du concret, moi. Je veux du concret. Pédale sans fil. Je m'en balèque. The neural implant. Ah, l'implant neural. Intact. Ok, on va rentrer dans sa putain de tête. Est-ce qu'on le fait maintenant ou pas? On va le faire, non? On va le faire, la Rose. Si je peux, bien sûr. The victim's blood is mixed with ink. Elevated hormone levels. Oh, fuck. The killer used the tattoo machine as a murder weapon. Non. Excellent. Alors, est-ce que je peux? Oh, on peut. Warning. Attempting a necroneural connection is in direct violation of the Postmortem Observation Act of 2061. Authorization denied. Accès refusé. Emergency override. Open maintenance penalty. Je vais y rentrer, moi. Wow. This better be worth it.